on applaudit très fort Mario. Merci. Ça va Mario tout à l'heure, depuis le début de l'émission? Oui, ça va. Enfin, j'étais très stressé. Ah bon? Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe Mario? Il y a une personne qui a réussi à me mettre à l'aise. C'est qui? C'est la sublime Charlotte qui est là, donc la chanson, elle sera pour elle. Ah, Charlotte, elle t'a mis à l'aise. Elle t'a mis à l'aise, donc tout va bien. Tout va bien maintenant. Ok, donc là, tu vas défendre ton titre. Mais on va essayer. Mais tu as envie de revenir demain, Mario? Tu aimerais bien? Bien sûr, bien sûr. Je pense comme tout le monde ici, on a envie de revenir. Ah oui, bien sûr. Bon, on va rappeler rapidement ton âge quand même. Tu as donc 21 ans. Donc tu es très jeune. Voilà, et très petit aussi comparé à Enzi, malheureusement. Oui, mais ça, c'est pas grave. Oui, oui. Comparé à Enzi, oui. Enfin, comparé à Enzi, beaucoup, même moi, je suis petit, alors que je suis grand. Oui. Bon. Donc tu as 21 ans. Nous, tu habites où? J'habite à Paris en ce moment. En ce moment. Sinon, voilà. Tu es natif de... De Chartres. De Chartres. Voilà. En Eure-et-Loir. Je suis chartrain. Voilà. Chartrain, on dit? Chartrain. Chartrain. D'accord. Et tu chantes depuis vraiment tout petit. Enfin, depuis ton plus jeune âge. Tout petit. J'étais tout petit quand j'ai commencé. Ouais. Quand je vais finir aussi. Non, mais j'ai commencé il y a 3 ans. Vraiment, il y a 3 ans. À m'y mettre. Quel artiste que tu préfères? Le chanteur, la chanteuse. Ton idole en chanson. Mon idole. Ouais. Bah, c'est Mike Brandt. Mike Brandt. Oui, parce que justement hier, parce que je savais pas, tu vois, que c'était ton idole, et tu m'as fait penser à Mike Brandt hier quand tu chantais. Mais c'est parce que j'ai fait penser à Mike Brandt, à un de mes professeurs, qui m'a dit à l'école, intéresse-toi à Mike Brandt, chante ses chansons, et j'ai adoré vraiment l'artiste. Ouais, parce que 21 ans, c'est pas vraiment ta génération. J'étais plutôt rap, R&B, et, oui, c'est ça, et Mike Brandt, voilà, j'ai tout lâché pour les années Mike Brandt, Dalida. Et, et là, tu vas nous chanter quelle chanson? Qui sera de Mike Brandt. Ah, qui sera? Que sera de Mike Brandt? Que sera, oui. Que sera, hein, voilà. C'est exact. Ok. Donc pour Charlotte. Pour Charlotte, mais pour Charlotte, une idylle est née. Pour Charlotte. On va faire quand même pour les téléspectateurs d'IDF1 aussi. Ah oui, bien parce sûr. Que pour toi. Ah mais bien sûr. Allez, le tenant du titre, candidat numéro 4, Mario, on l'applaudit très fort. Bien que le bonheur n'existe pas.
applaudit très fort Mario, le tenant du titre. Très bien, très belle interprétation de Kessera. Merci beaucoup. Bravo. Okay. Eh bien, maintenant nous allons écouter la pulpeuse Isabelle. Écoute-la bien parce que c'est très important. Je suis toujours à l'écoute d'Isabelle. C'est vrai? Plus toujours. Que Charlotte? Toujours. Aïe. Ton cœur balance entre Isabelle et Charlotte. C'est très très bien. Ah, Charlotte est très jolie. Ancienne danseuse du Crazy Horse. On a du beau monde, je vous le dis moi. Alors si vous voulez que Mario revienne demain, bah, écoutez la divine, la pulpeuse Isabelle. Alors c'est parti. Si vous voulez voter pour Mario, le candidat numéro 4, le tenant du titre, l'amoureux de Charlotte, eh bien un numéro 0892 780 777 ou alors par SMS si vous envoyez talent au singulier au 72072 ou alors vous piquez l'ordinateur du bureau du grand-père, de la petite sœur, du grand frère, www.idf1.fr. Mario candidat numéro 4. Merci Isabelle. Mario, je pense que nous avons un téléphone pour toi, quelqu'un qui appelle. Allô? Allô? Allô, bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour. Pardon? Pardon? Oui, comment t'appelles-tu? Maëlys. Maëlys, tu connais? Oui, c'est ma petite sœur. Ah, c'est ta sœur? Oui. Ah, c'est ta sœur. Allô? Il faudrait que Maëlys. Tu éteignes un peu, le son de ta télévision parce que ça fait écho, on n'entend pas bien. Maëlys, tu connais? Oui, ça fait écho. Donc c'est ta petite sœur, à quel âge? C'est ma petite sœur. Eh ben, elle va avoir 11 ans. 11 ans? Oui. Donc elle est fan de toi, de toute façon elle t'adore. Mais bien hein? Sûr. Oui. Allô? 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 Oui, alors tu as vu ton frère chanter? Tu as entendu ton frère chanter? Oui. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'entends rien. Hein? Elle est timide? Ben, j'ai l'impression. Allô? Allô, oui. Alors est-ce que tu aimes bien quand ton frère chante? Oh oui. Oui? Oh oui. Est-ce qu'il t'a déjà chanté des chansons que pour toi quand vous êtes tous les deux? Oui. Je sais. Attention à ce que tu vas dire, Maëlys. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu veux pas qu'elle le dise ou quoi? Non. C'est le meilleur. Donc il faut voter pour lui. Il est trop beau. Il est trop beau, toi. Ouais. Elle te ressemble, ta sœur? Bien sûr. Donc elle est trop belle. Bien sûr qu'elle est belle, ma sœur. Donc tu veux le revoir demain à la télévision? Oui, je veux le revoir demain. Donc il faut qu'on vote pour lui. Oui. D'accord. Votez Mario. Allez, ouais. Merci, Maëlys. C'était donc le candidat numéro 4, le tenant du titre, Mario, qu'on applaudit encore.